vaccin anti-Covid attendu le 7 mai. Le président de la République a annoncé hier que les premières doses de vaccin anti-Covid dans le cadre de l'initiative COVAX arriveront le 7 mai prochain. Dans un premier temps, les personnes les plus exposées au virus, telles que les agents de santé et les éléments des forces de l'ordre, ainsi que les personnes vulnérables, comme les plus de 70 ans, les diabétiques et les hypertendus, seront priorisés, sachant que l'administration de vaccins s'effectue sur la base du volontariat. Les experts et scientifiques malgaches, appuyés par le ministère de la Santé publique, se chargeront de la coordination de la vaccination. Seul l'État peut importer les vaccins anti-Covid et la commercialisation par les opérateurs privés est interdite. Toutefois, cela n'empêche pas le partenariat avec le secteur privé. Le bilan quotidien du ministère de la Santé publique fait état de 11 décès liés au coronavirus au cours des dernières 24 heures, portant à 677 le nombre de patients qui ont succombé au virus depuis le mois de mars 2020. 121 nouveaux cas sur 552 tests réalisés et 399 nouvelles guérisons ont également été enregistrées. 3922 patients sont en cours de traitement, dont 329 cas graves.